Salut, bonjour! Oh, une pounoune! Oui, c'est une pounoune, elle n'est pas contente. Oh non, elle n'est pas contente! C'est une pounoune, elle n'est pas contente! Ah non, non, c'est. Ah ben quoi, une vidéo de petits chats! Vous n'aimez pas les vidéos de petits chats? Oh, 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 oh. Tout le monde adore les vidéos de petits chats! vois-je, que vois-je, vois ah bah ben c'est sur Odyssée, c'est la actuellement, encore ça, fake virus, fake vax, riole, bs, <laughs> réel, nanotech, eugéniste, transhumanisante, oh là 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 <laughs> Heureusement que j'ai des petits chats! Oh, j'ai des petits chats! Hein? Oh, ouais, oui, ben, elle n'est pas contente, hein? non, non. <laughs> elle n'est pas contente? Je est contente en plus. Ce crapule là. Hein? C'est pas toi qui as pissé dans l'escalier? Euh, je suis pas hein? je suis pas sûr. Donc, vous avez compris, hein vous allez sur le bandeau de ma page d'accueil YouTube, transfert des activités, tape, vous suivez la flèche et vous cliquez sur Odyssey. Voilà, ce crowd bunker, si je ne la mets pas, je pense qu'elle n'y sera pas. Il faudra que je la mette. Parce que celle-là, elle ne va pas être censurée par YouTube. Ah non, ce que je dis sur YouTube, c'est... Oh, les petits chats! Oh, tout ça chez les petits champs. Vous voyez? Et 20 000 plaintes contre le gouvernement balayées d'un revers de main. Badés, maintenant. Comme s'ils avaient une quelconque noblesse, ceux-ci, là-haut, là. Là-haut, en fait, c'est là-bas. Bah. Ah. bah! Bah! Bah, caca! Alors, comme c'est une vidéo pour les enfants, je ne vous montre pas que je bois du jus de pomme. Hein? Ah. Non, en fait, c'est du jus de... Ça doit être du houblon. C'est comme le jus de pomme. Comme le jus de pomme. Ça va, Sinon Alors, j'ai été censuré pendant une petite semaine, là, hein, donc je n'ai pas pu poster sur YouTube. J'en ai une à mettre sur YouTube. J'ai mis sur Odyssée, il me semble. Ici, Mars et le déluge de Noé, c'était il y a huit jours, ouais, donc ça doit tomber dans le créneau. Je ne pense pas qu'elle soit sur YouTube. Voilà, elle n'y est pas. Vous voyez, finalement, les vidéos, euh, les dernières vidéos de la série, c'est celles que les gens vont voir. Donc, euh, ceux qui font ça, je pense pas qu'ils se tapent les 4h14 là. Je même que si ça se trouve, ils s'arrêtent au bout de 20 minutes, ils imaginent que toute la vidéo parle de la même chose, ce qui n'est pas forcément le cas. Ceci dit, c'était vagabond et hétéroclite. Alors là tout de suite, je peux pas vous dire de quoi je parlais. C'est un titre trop, trop vague. Donc ton, sinon je la mets, je suis en train de la mettre donc sur l'IC, puis... Je la mets aussi sur Rumble. Puis je la mets aussi euh, sur Bitchute. Puis un de ces quatre, je les mettrai aussi sur Vimeo, sur ma Vimeo, c'est limité. De toute façon, les éditeurs de chez Vimeo ils viennent de là-bas. Mais euh, Patreon aussi, ils viennent de là-bas. Enfin, Il y en a... ils viennent tous de là-bas s'ils veulent. Donc. Euh... En plus, on sait que Bibi a introduit sa technologie et ses techniciens sur toutes les cybertransmissions. Cyber, cyber, cyber is a real domain of power. Of power. Ouais, il le dit comme, il le dit pas comme ça. Ah, oh, mais moi, j'ai du mal à le dire. n'est pas parce que je n'ai pas de power. <laughs> Non, je n'ai pas de power là. Vous avez vu, hein Je n'ai pas... Ah, pas de power moi. Ah, pas de power. Ça va. M'en fout. Si j'ai le mien sur le mien, sur moi, ça va. Ça me suffit. C'est d'ailleurs quelque chose qui manque à plein de gens, mais on y viendra plus tard. On y viendra justement dans cette vidéo là, à un moment ou à un autre. Je râle un petit peu sur... Ceux qui suivent des écrits euh, dits religieux, spirituels, alors que ça n'en est pas. Il y a un bouquin de Mauro Biglino qui dit hein, Il n'y a pas de spiritualité dans la Bible. Le Dieu de la Bible vient, descend des étoiles. Euh, la Bible n'est pas un livre sacré. Un livre sacré, on n'y retouche pas, quoi, je veux dire. Il n'arrête pas d'y retoucher à tous les niveaux et tout le monde y retouche. Un Lino, c'est une poiture. Hein. C'est l'ancien traducteur pour le Vatican, des textes primaires, premiers. Sans oublier que ce pas écrit en aramé. Hein. Normalement, c'est écrit en grec. Donc, ça a déjà été traduit en plus, plus ou moins. Mais enfin, lui, il va chercher loin. Il va chercher très loin. Puis il parle, je crois, neuf langues mortes en plus de trois langues vivantes. Je... <laughs> Donc, quelque part, moi, je me dis, euh, bon, euh, on va l'écouter, le monsieur. <laughs> bon. Surtout que... Oh, les mimines. Oh, bah, maintenant, j'en ai deux. Oh, il y en avait déjà deux, mais l'autre là-bas, elle râle. Elle, elle... moi, j'ai deux mimines. Oh là, les boules de poils. Ah, ben bah, de temps en temps, hein. Hop, on descend un peu le caméra, le caméra, là. Voilà, voilà. Mais eh ben alors quoi Qu'est-ce que c'est que ces Ponon Ah, mais ça ronronne Mais ça ronronne ce truc-là, en plus Oh là là Moi, oh, c'est pas possible, ça. Alors, hein alors, on va dire que tu Ah, ben, si elle ronfle, ça va. Voilà, donc, à euh, ben, très bientôt. Hein, ça, c'était juste, donc, une vidéo teaser. En attendant que vous ayez euh, la prochaine euh, à propos de l'Arche de Noé. Ah, mais ça va vous plaire aussi. <laughs> ça, va, ça va vous plaire. Moi, pour l'instant, ça reste dans mes domaines. Ça reste dans mon champ de vision et même d'imagination et même de spiritualité. Parce que... Savoir qu'il y a ça au milieu. Là. Il y a tout ça au milieu. Et je, ce serait bien quand même de récupérer sa pleine souveraineté. Hein et non pas de la récupérer pour la refourguer à quelqu'un d'autre immédiatement. Ouais, je vous dis ça. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai cru discerner. Et ça se discute, si vous voulez. Mais tâchez d'avoir lui au moins un Mauro Biglino. Hein? Puis après, vous pouvez vous taper tout en Parks, et puis vous pouvez vous taper les West Penray, et puis vous pouvez vous taper Thomas Williams, et puis vous pouvez vous taper Castaneda, puis vous pouvez vous taper Jeff, puis deux, trois autres hein, dans la lignée. Quoi. Salim Michael, euh... Franz Bardon. Euh... Évidemment, l'inénarrable Blavatsky. Ah non, je n'ai pas été chez les successeuses là, qui ont mal tourné. Blavatsky, c'était un guide, elle décrit le paysage, elle ne vous a pas dit de la suivre, elle ne vous a pas dit de suivre les personnages. Ce qu'on fait les autres après, par contre. Et là, là, il y a un problème. D'ailleurs, après, c'est devenu euh, Lucie Trust et tout ça. Avant, c'était de la théosophie, c'était l'étude, la sagesse des dieux. Ben, ou l'amour de la sagesse des dieux, ou enfin, vous voyez un truc comme ça. Des dieux, des dieux, hein, de, de ceux qui ont été, euh, à tort très souvent, pris pour la divinité, la source. Euh, D'où est originaire tout, depuis toujours, jusqu'à... On ne dit jamais, normalement. Hein. Oui, c'est le sens où jamais, ça veut dire à jamais, à l'éternité, au-delà de l'éternité. Oui. Et ça ne change pas grand-chose, hein Je vous jure, ça ne change pas grand-chose. J'y suis passé de votre côté, là. j'ai fait un petit tour. J'avais entre 15 et 18 ans. Poser des questions. Je voyais tout le monde qui était là-dedans. Là, je dis c'est quoi cette histoire Ils ont l'air tellement convaincus. Ça ne tient pas tellement debout. Qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est très mal interprété. C'est un bouquin intéressant. C'est un, un bouquin intéressant. Euh, version la Bible, hein, version chrétienne. Les autres aussi hein, sont intéressants. Euh, le Coran, je connais très peu, donc je ne vais pas m'aventurer. Mais euh, ce qui en est de Talmud, je connais très peu et je suis tombé sur des mauvaises pages dès le début, ça ne m'a pas mis de bonne humeur. Quand on sait en plus que c'est la source mère des autres religions, là tu te dis, est-ce qu'on ne serait pas en train quelque part de, de diviser pour régner et puis de toute manière de nous garder dans un terrain qui nous est désavantageux hein Alors là, clairement quoi. Article 1, le boss a toujours raison. Article 2, quand il a tort, applique l'article 1. Sinon, article 3, le boss te condamne à la souffrance. Ben oui, c'est un Dieu créateur tout amour qui pique des colères et qui te condamne à la souffrance. Mais euh, tout ça, ça paraît très logique à des gens qui de toute façon se sont fait martyriser très, très tôt dans leur vie physiquement et moralement, psychiquement, tout ça. Et je, je compatis. Là, je compatis. Je ne suis pas d'accord euh, qu'on leur, qu leur ait infligé ça. Et puis qu'ils n'arrivent même plus aujourd'hui à se rendre compte, en général, que ça les a façonnés pour la vie. Les jésuites, ils, ils, gardent, ils vous gardent encore sept ans de plus. Hein, mais euh, là, euh, là, déjà, vous êtes bien marqués. C'est aberrant. C'est aberrant d'imaginer que la nature ait fourré son coup et qu'il faille rectifier. Qui c'est qui, qui ose rectifier la nature en espérant que ça, ça va marcher, ça va tourner Il y en a pas mal qui essayent hein, et finalement ça tourne toujours très mal. Et c'était un peu le but du jeu d'ailleurs, mais bon. Mais oui, c'est très fin, c'est très fin comme manip. C'est très fin. C'est mieux que le syndrome de Stockholm. C est, c est, c est plus... c on monte à l'intégrale, on le monte en intégrale. Oui, l'inverse de la racine. Ou l'inverse de l'inverse aussi. Alors, on fait les deux. On fait l'exponentiel et l'intégrale. <laughs> ah, là, je suis sardonique et amer. Vous avez vu. Hein donc, euh, évidemment, sardonique, ta mère. Euh, Excusez-moi. Excusez-moi. C'est l'heure. C'est l'apéro. Donc, c'était juste un teaser pour vous dire d'aller de l'autre côté. Pour ce qui est exopolitique, exoconscience, vous pouvez rester euh, sur euh, YouTube. Il y en a plus qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils m'ont récupéré que la moitié de mes vidéos de YouTube. Les plus récentes, en fait. Et ce n'est pas parce que sur YouTube, elles n'ont pas beaucoup de vues qu'il n'y a pas dedans des trucs, quand même. Ça m'éviterait de les répéter aujourd'hui, à chaque fois qu'on me pose une question, ou presque. Il y a quand même deux, trois bases intéressantes, je trouve, je pense. Bon, C'est trop rien, hein, je n'ai pas fait un calcul. Les vidéos, elles sortent comme, comme ça vient, comme, comme je suis à point pour les faire, comme l'actualité interfère, comme des trucs comme ça. Vous voyez Au petit bonheur, la chance. Hein. Je suis un artiste, moi. C'est moi qui décide, hein, de toute façon. Hein. Vous n'avez rien changé à ça. Il y a des gens qui m'ont demandé des fois, ça tombait bien. J'ai fait des vidéos, mais des fois, ça tombe bien. Je le fais. Des fois. C'est compris. En plus, je pas qu'on me dise tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je n'aime pas du tout. Vous êtes en train de peindre, quelqu'un dit tu devrais le faire comme ça, vous n'avez qu'une envie. Hein ben, vous en avez plusieurs, dont celle de tout recommencer à zéro parce qu'il vous a coupé dans le cours. Qu'après, qu moi, je demande à quelqu'un qui sache comment est-ce que j'aurais pu mieux réussir tel effet. Ça, c'est une chose. Mais intervenir en cours de création, c est, c est, moi, ça ne le fait pas chez moi. Je suis loin d'être un, un prince qui faisait tout dans sa musique. Hein, la composition, il jouait tous les instruments, il enregistrait, il produisait, il faisait la pub, les spectacles, la chorégraphie. Euh, bientôt, il vendait les tickets avec. Une pointeur prince, hein, j'aimais bien. Je préférais Prince à, à Michael Jackson. Je trouve un peu trop primaire, mais j'avais pas étudié les paroles autant qu'on a pu les étudier par la suite. C'est pas mal. "I don't care about us". C'est pas mal. C'est comme Bachung. Il travaille à, à lire à, à deux niveaux au minimum. C'est intéressant. J'aime bien aussi. En fait, il y a des artistes qui ont dit "Oh, ben, ils font rien de spécial." Et en fait, <laughs> en fait, c'est comme au théâtre, vous transcrivez une partie de la réalité, quoi. Donc, Vous Donc, imaginez un autre décor, une autre explication, genre allégorie, quoi. Et gare allégorie. <laughs> bon, à très bientôt. Hein. Bon, bon courage. Et puis, filez sur l'autre côté si vous voulez. Si vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Vous n'êtes pas obligé de me faire un don. Surtout pas au-dessus de 50 euros. Hein. Oh non, ça suffit. Hein. De toute façon, je ne rends pas la monnaie. Je déconne. Euh, ça va. <laughs> Pour l'instant, c'est gratos et il y en a. Alors, profitez-en. Partagez, transmettez. Gratuitement. mettez pas votre... Votre insigne dessus, votre tag, votre, ou citez-moi en tout cas, rajoutez-moi. Je ne sais pas le faire ces incrustations-là, mais bon, je trouve que ça nuit à l'image. Mais bon, chez moi, il n'y a pas tellement d'images. Ça tombe bien. Hein? Hein, ça tombe bien. Ouais, je vous ai entendu. Je t'ai entendu, toi, dans le fond. Allez, bon, ben, tu vas au coin. Hein? Tu files au coin et tu nous fais un café à tous, hein, s'il te plaît. C'est gentil. Merci. A bientôt. Salut.